Ah, Mimi de Mandaril. Hello, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de mon let's play sur Hogwarts Legacy. Si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, je vous les mettrai dans le petit i. Et si vous êtes prêts, on est parti. Il y a une mission ici? Ah, ou c'est un cours? Justement, je te cherchais. Non, j'ai une mission. Samantha, est-ce que tout va bien? Non, pas du tout. C'est mon frère William, celui dont je t'ai parlé en cours de sortilège. Il a été maudit. Il a ignoré mes avertissements et se retrouve maintenant à Sainte-Mangouste. Il fait peine à voir. Il ne m'écoute jamais, de toute façon. Comment a-t-il été maudit, exactement? Tu ne vas pas me croire. Ses pieds se sont transformés en betteraves. Je te laisse imaginer sa tête. Et la mienne. Et je ne te parle même pas de toute l'attention qu'il a reçue des lapins du jardin avant qu'il arrive à se faire admettre à l'hôpital. Oh, je suis désolée. C'est une situation vraiment éprouvante. Je suis contente que tu comprennes. Les autres n'ont aucune empathie. Tout est entièrement sa faute. Je lui avais parlé de mes récentes recherches sur notre ancêtre, Marmaduke Dale. Et en particulier de ma découverte concernant la malédiction qui entoure son tombeau. Mon frère s'est toujours moqué de mes recherches. Cette fois, il m'a carrément ri au nez. Il m'a dit que j'avais mal interprété mes résultats. Mal interprété mes résultats. Comme si c'était possible. Et pour le prouver, il s'est rendu à l'entrée du tombeau et pouf! Il s'est retrouvé avec des betteraves à la place des pieds. Il est indécrottable, mais il reste mon frère. C'est quoi ce nom ? Personne ne mérite de vivre comme ça définitivement. Je crains qu'à moins d'être inversée, la malédiction ne perdure à jamais. Elle a été jetée lorsqu'un blason a été volé à Marmaduke. Si on le remettait à sa juste place, sur le sarcophage, William retrouverait sans doute ses vrais pieds. Tu as combattu les trolls qui ont attaqué Préolard et échappé à un dragon. Et d'après ton travail en cours de sortilège, je sais que tu as beaucoup de talent. Rapporter faux. Un blason sur un sarcophage devrait être une promenade de santé pour toi. Pourquoi ton ancêtre était-il aussi connu? Il a découvert d'innombrables végétaux. Sans oublier aussi les propriétés de plusieurs herbes et plantes magiques. Ses travaux ont non seulement contribué à la botanique, mais également à l'art des potions. Je peux remettre le blason sur le sarcophage de Marmaduke. D'après mes recherches, le tombeau est abandonné depuis des siècles. Ça devrait donc être aussi simple que de faire voler une plume. Si c'est si facile, merci, pourquoi elle le fait pas? Le ciel, il est trop beau. Mes pieds ne se sont pas transformés en betteraves. C'est un bon début. Lumos. Revelio. Sérieusement? Un troll? C'est une Ouh là blague. Là. Confringo. Le fameux sarcophage. Sûrement celui de Marmaduke. Avec un peu de chance, cela devrait briser le maléfice. C'est tout. C'est trop stylé comme endroit. J'ai remis le blason sur le sarcophage de Marmaduke, comme tu me l'as demandé. Je m'en doutais. Sainte Mangouste m'a fait savoir que les pieds de mon frère étaient revenus à la normale. Fini les betteraves. Oh, je ne te remercierai jamais assez. J'espère que c'était pas trop difficile. Juste un misérable troll. Pas grand chose. Un troll? Oh, c'est affreux. Je suis navrée. Personne n'était entré dans ce tombeau depuis des siècles. William et moi te serons éternellement reconnaissants. Je reçois pas grand chose des petites quêtes secondaires comme ça. On a un cours de métamorphose. Je pense qu'on va faire ça. Hein. J'ai entendu dire que le professeur Weasley avait transformé le livre qui contient les réponses en hibou. Pour empêcher les élèves de... Je bien joué, ça. Les buses un peu trop au pied de la lettre. Bonjour, Gareth. Est-ce que ta tante a été plus conciliante avec toi dernièrement? Malheureusement, non. Il y a quelques jours, elle m'a même donné une retenue. Je voulais seulement tester une nouvelle recette dans une salle presque vide. Et le feu a été vite éteint. Si tu déclenches des incendies, tu devrais peut-être repenser tes choix. C'est exactement ce que ma tante Mathilda a dit. Je ne laisserai pas les sceptiques m'affecter. Quand ils goûteront à ma nouvelle potion, ils oublieront leurs critiques et les incendies. Ce sera encore mieux que la bière au beurre. Oh, ça me donne une idée. Je ferai mieux de la noter. Bonne chance. On n'a jamais eu cours de métamorphose, il me semble. Asseyez-vous, asseyez-vous. La métamorphose, comme vous m'entendez le répéter chaque année,
est une science exacte qu'une vie entière ne suffit pas à maîtriser. Mais ne soyez pas découragés. En vérité, pratiquement tout peut être métamorphosé quand on perçoit le potentiel que le sujet renferme. Comme je vois en chacun de vous, des sorcières et des sorciers fabuleux tous sans exception. Ou alors, peut-être que j'ai la vue qui baisse. Bon, vous savez tous quoi faire. Oh, j'ai couru avec Sébastien. Mais ça va nous servir à quoi ça dans le gameplay? De transformer les méchants en papillons. Sébastien, vous semblez n'avoir aucun problème pour apprendre. Et franchement, vous excellez dans vos devoirs cette année. Il semble que vous ayez fait très bon usage des possibilités offertes par votre guide du sorcier. Bien sûr, le guide n'est pas la seule mesure du succès. Je dois dire que je suis très impressionnée par tout ce que vous avez accompli. Vu les rumeurs qui couraient sur vos activités extrascolaires. Vos discussions avec l'elfe de maison du professeur Black et l'exploration de plusieurs grottes près du lac étaient-elles liées d'une façon ou d'une autre au professeur Fig? Ben non. Pas du tout. J'étais intriguée par les rumeurs au sujet d'un calmar géant. J'ai rencontré Scrope, qui semblait ravi de partager ses connaissances sur le sujet. Je vois. J'admire votre penchant pour l'apprentissage. Mais n'oubliez pas que vos devoirs et le guide du sorcier sont là pour vous instruire efficacement. La fin mais de laisse-moi tranquille. Tant que je l'ai fait, mes devoirs, elle s'en fout de ce que je fais de mon temps libre. Pour m'assurer que vous êtes prête pour vos examens. Oh, il m'a fait peur. Il s'est pas du tout métamorphosé. Depuis notre dernière visite à Minecraft, je me suis rendu compte de quelque chose au sujet du triptyque. Retrouve-moi au Belvédère. Au nord de la forêt interdite. Je vais tout expliquer. J'arrive. Mon plan initial a échoué. Mais j'ai une autre idée. Nous devrions pouvoir trouver ce qu'il nous faut dans une mine de gobelins au sud de Poudlard. Je vous y attends. Et amenez quelqu'un qui parle le Gobelbabil. Ah, c'est Amit qui parle le Gobelbabil. Ok, on a plein de trucs à faire du coup. Trop bien. Mais d'abord, Sébastien. J'ai de bonnes nouvelles au sujet de la localisation de notre ami des Éluides et de son tu sais quoi. Retrouve-moi dans le centre-ville de Briolard. Mais j'ai vraiment trop de trucs, du coup. J'ai fait aussi vite que possible. J'étais si distrait par le scriptorium et le livre de Serpentard que j'en avais presque oublié ce qui m'avait frappé au sujet du triptyque. C'est le paysage représenté sur l'étoile. Enfin, ce qu'il en restait. C'est incroyable. Tu connais vraiment bien cet endroit? Et pendant que je t'attendais, j'ai exploré les environs. Et j'ai découvert une mine abandonnée, grouillant de fidèles de Ranrock. Oh, tu ça va se bagarrer. Je n'en ai aucune idée. Mais peut-être qu'ils le fouillent aussi, comme ils ont fouillé le château de Rockwood et le manoir d'Isidora. Comment peut-on se sortir de cette situation? Attaquons. Nous devons voir ce qu'ils fabriquent. Nous devrions les attaquer de front et nous débarrasser d'eux. Très bien. Et j'ai encore le symbole runique que nous avons trouvé sur le triptyque. S'il y a un lien, je pense que nous le reverrons. Ils sont là, droit devant. Vas-y, je te suis. Tous les fidèles de Ranrock méritent le même sort. Bon travail. On forme une bonne équipe? C'est rien de le dire. Cette fois encore, on peut choisir de se battre ou d'être discret. Tu sais ce que je choisirais. Confringo. Ah ah, c'est vrai que j'ai Andoloris maintenant. Je n'appellerai pas ça une fête. C'est vrai. C'était Revelio. Relativement amusant. Confringo. Oula. Je me dois de te dire qu'on raconte que cette mine a été fermée il y a longtemps, à cause d'une infestation d'araignées. Charmant. Ça ne me changera pas tellement. Voilà, il faut rester positif. Quelle que soit l'issue, nous y sommes. Fidèle. Cette mine ressemble à un tombeau. Elle a été fermée après plusieurs années. Revelio. Je comprends pourquoi maintenant.
Ils doivent être persuadés que ce qu'ils veulent se trouve ici. Ce rebord est vraiment haut. Tu as une idée ? Réfléchis un peu, Sébastien. Wingardium Leviosa. Pas étonnant que tant de personnes aient peur des araignées. Sûrement à cause de leurs pattes poilues, ou de leurs yeux vides, ou de leurs crocs venimeux. Tellement de qualités attachantes. Formidable. Révélio. J'aurais dû invoquer des escaliers. J'avoue, pourquoi t'as pas fait ça? Oulala. Est-ce que Poppy, elle défend autant les araignées que tous les autres? Parce que les araignées dans le jeu, elles ont quand même l'air d'être détestées par tout le monde. Alors que c'est des animaux, quoi. Toujours aucun symbole runique en... Je crois qu'on va devoir oublier un peu les runes pour l'instant. Ça tombe plutôt mal. Bah, c'est un peu pour ça qu'on est là, non? Un nouveau combat nous attend. Pourquoi ne suis-je pas surpris? On n'a pas encore terminé. C'est comme si nous attendions. Calme revient enfin. Je ne comprends pas pourquoi la bravoure des Gryffondor est encensée à ce point. Nous autres Serpentards en avons à revendre. Et en fait, de bien meilleurs adversaires. C'est si vrai. Je ne m'attendais pas à ça. Qu'est-ce que c'est? Ok. Un extrait du journal d'Isidora. Espérons qu'il nous aidera à éclaircir ce mystère. Sébastien, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Un morceau de toile. Génial. Nous n'avons donc pas fait tout ça pour rien. Mais j'ai toujours un mauvais pressentiment à propos de ça. Il y a des trucs sur les murs aussi, là. Si le triptyque nous a menés jusque-là pour ce petit bout de toile, on peut supposer qu'Isidora Morganac est venue ici. Il semble qu'elle soit vraiment allée partout. Mais si elle utilisait la crypte et la cave sous son manoir à Feldcroft, pourquoi avait-elle besoin de cet espace? Et pourquoi le cacher derrière de mystérieux symboles runiques, avec une magie ancienne que personne ne peut voir, à part toi? Isidora et Percival Rackham, un autre gardien, pouvaient aussi voir les traces de magie ancienne. Rackham? Je n'ai jamais entendu ce nom. J'ai vu certains de ses souvenirs. Je crois qu'Isidora et lui n'avaient pas la même aspiration concernant cette magie. C'est vraiment déconcertant. Apportons l'étoile au triptyque. Nous y trouverons peut-être des réponses. Dis-moi que tu reconnais le lieu représenté sur ce morceau de toile. La bonne nouvelle, c'est que oui. Et la mauvaise? Nos ennuis ne sont pas terminés. Je connais cette côte. Ranrok a pris le contrôle d'une immense mine et de ses environs. Grotalo en souffre. La situation est aussi grave qu'à Feldcroft. Si nous y allions tout de suite... On devrait attendre. Pourquoi? Depuis le début, on a un temps de retard sur Ranrok. Je connais quelqu'un qui pourrait nous aider à prendre l'avantage. Et qui donc? Un gobelin allié. Il ne veut pas participer au combat de Ranrok. Un gobelin amical? Tu sais que les gobelins ont lancé un mauvais sort à ma sœur pour la faire taire. Ils ont dit que les enfants devaient être vus et non entendus. Oui, mais tous les gobelins ne sont pas... Tous les gobelins ne sont pas quoi? Tu as oublié Feldcroft? Et la mine qu'on vient d'explorer? Tu l'as oublié aussi? Non, Sébastien, je n'ai pas oublié. Tu ne m'écoutes pas. Pourquoi j'écouterais quelqu'un d'aussi ignorant? Pardon? Tu ne sais pas ce que tu dis. Respire et prends le temps de te calmer. Non, je sais très exactement ce que je dis. Je n'en reviens pas. Alors là... J'ai étudié le livre de sorts de Salazar Serpentard. Retrouve-moi dans la crypte. J'ai fait une découverte. Qu'as-tu découvert dans le livre de sorts trouvé dans le scriptorium? Ne pense pas que j'ai oublié ton ami gobelin. Ce n'est pas le cas. Mais je devais te raconter ce que j'ai découvert. Le livre de sorts de Salazar Serpentard était difficile à interpréter. Mais fascinant. Évidemment, il encourageait l'apprentissage de la magie noire à Poudlard. À l'époque, les sortilèges de mort et de l'Imperium n'étaient pas impardonnables. Selon lui, les élèves devaient être prêts à utiliser la magie noire. Et non la craindre. C'est pour ça que j'ai dû utiliser Andoloris pour accéder au scriptorium. Il réservait ses connaissances aux personnes qui ne redoutaient pas la puissance de la magie noire. C'était très dur. Mais utiliser Andoloris était notre seule option. On a bien fait. Parce que dans le livre de sorts, j'ai trouvé autre chose.
Il fait référence à une relique perdue qui, de ce que j'ai compris, octroie à celui qui la porte le pouvoir d'annuler les mauvais sorts. Et tu penses que cette relique pourrait sauver Anne ? Précisément. Je compte partir à la recherche de la relique. Mais nous ne devrions en parler à personne. Surtout pas à Hominis. Il ne comprendrait pas. Bah, en soi, Hominis, on avait juste besoin de lui pour avoir accès au scriptorium, donc l'inclure là-dedans, je suis pas sûre que ce serait très utile. Je ne vois aucune raison d'impliquer Hominis. Content que tu sois d'accord. Dès que j'en saurai plus, je t'enverrai un hibou. C'est un peu dommage parce qu'il est intéressant et tout, mais... Ne t'en veux pas pour Hominis. Il vaut mieux que ça reste entre nous. C'est pour son bien. Bah ouais. C'est moi qui décide de ce qui est bon pour moi. Oh non. Hominis, on était sur le point d'aller prendre l'air. Tu viens ? Tu es un menteur, Sébastien. J'ai tout entendu. Tu as juré de ne plus jamais rien faire en rapport avec la magie noire. Non, je n'ai pas dit ça. Flashback. Nous devons jurer de ne plus jamais nous frotter à la magie noire. C'est promis. J'ai dit que je comprenais. Je jure que jamais je n'arrêterai d'essayer de guérir Anne. Tu ne sais pas quand t'arrêter, hein ? Je sais quand je ne dois pas m'arrêter. Laisse-moi tranquille, Hominis. Je ferai mieux d'y aller. Hominis, Sébastien voulait bien faire... Je sais ce que j'ai entendu. Vous saviez que je ne serais pas d'accord. Partir à la recherche de la relique est une mauvaise idée. Sébastien ne le réalise pas, mais il se comporte de manière aussi irresponsable que ses parents il y a quelques années. C'est pour ça qu'ils sont morts. Je sais que ses parents sont morts, mais j'ignore ce qu'il s'est passé. Monsieur et Madame Palo étaient des professeurs. Ils passaient presque tout leur temps dans la bibliothèque de la cave, le nez dans les livres. Anne et Sébastien étaient en haut quand c'est arrivé. Ils ont entendu un fracas et ont accouru en bas. Mais c'était trop tard. Leurs parents étaient recroquevillés par terre. La lampe de la cave était défectueuse et une toxine indétectable avait empli la pièce. Sébastien et Anne ne pouvaient rien faire. Ils ne pratiquaient pas encore la magie. Quelle horrible histoire. Exactement. C'est pour ça que je ne comprends pas l'insouciance de Sébastien. J'ai presque perdu Anne. Je ne peux pas perdre Sébastien aussi. Je vous en prie, restez à l'écart de tout ce qui a trait à ce livre de sorts. Les références du livre ont l'air prometteuses. Tout ce qui a trait à Salazar Serpentard semble prometteur. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard. J'espère que Sébastien arrêtera ses recherches. Mais si ce n'est pas le cas, je t'en supplie, dis-le-moi. En fait, les deux ont raison, c'est un peu triste, mais c'est pas à moi à régler leurs problèmes non plus. Genre. Je suis quand même un peu mitigée sur ce que Sébastien m'a dit. Là. Je peux comprendre qu'il aime pas les gobelins à cause de ce qui s'est passé et tout, mais enfin, c'est pas une raison pour haïr tous les gobelins. S'il y en a un qui nous aide et que c'est la seule façon d'arriver à battre Ranrok, bah, faut le prendre en compte aussi, quoi. Poppy. Je ne t'ai pas fait attendre, au moins. Pas du tout. J'étais au bureau de poste. Ma grand-mère m'a dit que j'allais recevoir un colis, mais on dirait qu'elle a oublié de l'envoyer. Elle ne m'a pas envoyé de hibou non plus cette semaine. Elle est peut-être occupée par ses recherches. Qu'est-ce qu'elle t'envoyait d'habitude ? Juste de la nourriture qu'elle a mise au point. J'allais la donner au professeur Owen pour les flaireurs. Quel type de recherche mène-t-elle ? Ça change toutes les semaines, mais c'est toujours en rapport avec des créatures. La semaine dernière, elle étudiait les genoux des boulus. Oula. Qu'as-tu appris au sujet du dragon que tu cherchais ? J'ai réalisé qu'elle ne savait pas que les braconniers avaient son œuf. En quittant le hall Magyar, elle a dû retourner immédiatement à son nid. Je suis retournée à la tente et j'ai suivi sa trajectoire. Je n'en suis pas certaine, mais je pense avoir une idée d'où elle a pu aller. Je pensais qu'on pourrait aller voir par nous-mêmes. Bien sûr. Allons-y dès maintenant. Si tu es d'accord. J'aimerais voir comment va le dragon et s'il portait un collier. Et il s'en fait probablement pour son œuf. C'est dans ce genre d'endroit que l'espèce a l'habitude de faire son nid. Ce doit être comme ça que les braconniers l'ont trouvé. Ils ont dû établir leur campement ici pour l'observer. Ils ont dû la capturer avant de voler son œuf. Les dragons sont difficiles à attraper, en particulier les mères. Tu as compris tout ça rien qu'en l'observant ? Crois-moi, c'est très facile de penser comme un braconnier. On pourrait aller voir si elle est rentrée. Il nous suffit de lui rapporter son œuf. Ouais, c'est quand même pas si facile à mon avis. Les noirs des hébrides peuvent être agressifs, mais ils s'avèrent aussi très intelligents. Elle a vite compris quand tu lui as montré comment quitter la tente. Elle saura pourquoi on est là quand elle verra son œuf. Ensuite, on pourra en finir définitivement avec les braconniers. Eh bien, allons trouver ce dragon et lui rendre son œuf. Excellent. Si elle nous voit dans les airs, elle pourrait nous prendre pour des agresseurs ou de la nourriture. Il serait plus prudent de rester à pied. La voilà, au-dessus.
Elle est rentrée saine et sauve. Ah, très bien. On dirait que contrairement aux autres dragons, elle ne portait pas de collier. Au moins... Oh, j'ai changé un loup en mouton. Enfin, en bélier, plutôt. Ils correspondent, apparemment. Charmant. Elle est époustouflante. De loin. Révélio. Que les braconniers ne l'ont pas nourrie. Et de loin, il est fort probable que l'on ressemble à des moutons pour elle. Ah. Ces dragons raffolent des moutons. Oh, quel honneur. Qu'est-ce que c'était? Ouh là là. On va lui faire rouler son œuf. Par ici. Attends ici. Je pars devant. Attention, c'est son territoire et elle va bien nous faire. Tiens bon, il faut qu'on arrive jusqu'au nid. Tu veux mon avis, c'est trop chaleureux. Seul moment, seul instant. Pourquoi tous les ponts sont cassés? Réparons. Peut-être parce que c'est le territoire d'un dragon. Va tomber. Waouh. Elle a trop de courage, c'est fou. C'était génial. Et tu as vu cette intelligence? Elle ne nous a fait aucun mal. Les créatures sont bien plus intelligentes que ne le pensent la plupart des gens. C'est ce que grand-mère dit toujours. Le plus important, c'est qu'on ait survécu. Et qu'on ait rendu l'œuf à sa mère. Merci de m'avoir aidée. Je ne t'en voudrais pas si tu veux retourner au château et ne plus jamais entendre parler de dragons. Ouais, c'est intéressant, mais... Qu'est-ce que c'est que ça? Il faudra s'attendre à être attaqué par des braconniers dès la sortie du château. C'est compréhensible. Après tout, nous avons saboté leur arène de combat et pris un œuf de dragon. Alors pourquoi ne se sont-ils pas vengés? Ce n'est pas leur genre de se laisser faire. À moins que... À moins que quoi? À moins qu'ils ne se soient pas laissés faire. Oh non, j'arrive pas à croire que je n'ai rien vu venir. Nous devons partir. Je dois envoyer un hibou. L'état de Anne m'empire. S'il y a une chance pour que la relique du livre de sort de Serpentard puisse l'aider... Je dois la trouver. J'ai besoin de ton aide. Retrouve-moi à l'extérieur de Feldcroft, près des catacombes. Sébastien, il m'a un petit peu refroidi, là. Mais bref, on va garder ça pour la prochaine fois. Je suis contente qu'on ait pu terminer la partie avec le dragon, là. Et je suis contente aussi que ça avance pas mal avec Sébastien. Genre là, les derniers épisodes, on a chaque fois une quête avec lui. Et je m'en plains pas. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à très vite pour la suite. Bye !